victoire importante aujourd'hui pour les espoirs. Hein. Victoire importante, oui, on a bien travaillé toute la semaine, donc oui, il fallait concrétiser ce dimanche. Ça s'est plutôt bien passé, même si on a fait une entame un peu laborieuse. Ouais, c'est vrai qu'on a été pris de suite un peu à la gorge dans tous les matchs. Ouais, mais beaucoup sur nos erreurs à nous, donc ouais. C'était plutôt encourageant. On avait le match en main, on a remis un peu les choses en place. Les gamins ont fait ce qu'il fallait, donc ça s'est bien passé. Les 60 dernières minutes ont été plutôt propres. Qu'est-ce que tu retiens de ce match, la grosse domination en mêlée ou autre chose? Oui, un gros travail devant, bonne conquête, ça a été très très propre. Voilà. Donc ça nous soulage pas mal. Bon, essentiel 4 points, et autre chose essentielle, c'est que Tiros repart avec 0 points, qui était 3e à 3 points de bannière, donc c'est un résultat positif. Hein. C'est un résultat positif, on affirme un peu notre domination sur la poule, en sachant que tous les dimanches tout est remis en cause, donc la semaine prochaine, à Anglette, ça va être aussi compliqué, il va falloir faire le job. On avait un sur du match aller. Souvent, on avait beaucoup dit qu'on avait perdu sur un essai qui était valable, mais bon, il n'y a pas eu que ça sur le contenu. On avait été dominé tout le match aller. Après, voilà, ça fait plaisir, c'est bon travail d'entraînement, ça se met en place. Après, il faut qu'on règle ses entames, parce que quand on a fait voir, il a fallu 20 minutes, là, il a fallu 10 minutes. Il faut que les garçons ils comprennent que si on veut aller plus loin et. Il faut être des tueurs et être un peu conquérant, il faut avoir envie de suite. Hein. Pas attendre d'être en réaction. Cela, ça fait 2-3 matchs à chaque fois, tous les points. C'est nous qui donnons à l'adversaire. On n'est pas souvent mis en difficulté. Voilà, non. Bonne opération comptable quand même. Hein. Ouais, ça fait plaisir. En fait. Voilà, ça fait du bien, surtout de se racheter. Et, voilà, après, les points qui sont pris sont plus à prendre. Il faut continuer comme ça. Et, l'objectif des playoffs.